Bienvenue chez Ayer, je vous présente la gamme de téléphones portables qu'on est en train de customiser pour l'Europe et notamment pour la France. Donc aujourd'hui on travaille en mode projet, hein, c'est des produits qui ne sont pas encore disponibles à la vente, mais on est en train de rencontrer les grands de la distribution pour leur proposer des alternatives aux marques qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc on a décidé de se concentrer sur des smartphones qui seront uniquement Android, donc à partir de la version 2.3, hein, avec un premier produit qui est présenté ici, qui a l'intérêt d'être un produit extrêmement compétitif en termes de prix, hein, vu qu'on est sur un 3,5 pouces, un écran WVGA, qui va être positionné à moins de 79 euros. Et puis ensuite, on va monter sur différents types d'écrans, donc à partir du 3,5 jusqu'au 5,7, avec des produits à mi-chemin entre la tablette et le téléphone. Également différents types de processeurs, donc du simple cœur, du double cœur, du 4 cœurs, donc on pourra faire du multitâche avec des processeurs Qualcomm. Et puis en termes d'appareil photo, là aussi différentes possibilités allant du 2 millions de pixels jusqu'au 12 millions de pixels pour le modèle W919, malheureusement qui n'est pas présenté ici. Et un petit produit que j'apprécie particulièrement, qui est un produit en fait waterproof sur la norme IP54. Donc ça permet de le protéger des protections d'eau, donc on voit qu'il est extrêmement bien fini. C'est un produit également qui a une dalle IPS HD, donc qui tourne des vidéos en HD. Donc c'est un produit hybride qu'on va pouvoir emmener partout et effectivement on va pouvoir le laisser tomber dans un environnement un petit peu humide et récupérer, il va marcher. Donc voilà, un produit assez sympathique, donc existe en blanc ici, qui existe en noir, donc il s'appelle le W910. Donc aujourd'hui la stratégie c'est d'essayer de trouver un partenaire de taille très importante, donc un des trois grands en fait la téléphonie, et de leur proposer notre gamme de produits pour un lancement français. Donc on est en train de travailler là-dessus, donc on avance bien et on espère pouvoir lancer cette gamme en fin d'année avec l'un des trois grands.